Si ça marche, ça va bien. Ça marche. Ça marche. Allez, vas-y. Ah ouais, il y a pas fini. Ah ouais. Elle a dit comme ça que ils vont. Mais tu sais pas s'il va te ressouder tes lunettes. Bah ils vont aussi. Ouais. Tu vois quand même là? Hein? Tu vois quand même? Oh ouais, je vois. T'es pas trop trop gêné là? Bon. Il a mis où le barbecue? Derrière ou là-bas? Oui. C'est Sony, c'est la bonne marque là. Bon, c'est quoi le champ? Ah! 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 Dis-moi, j'ai la caméra! Bouge ta caméra! Ah, c'était le joli duc! Ah, la joli duc, on se voit à tête! Ah, il est branché en plus! Génial, toi tu mets la main de tête un petit peu dans l'autre salade, vous voyez. Bon bah j'y vais. On espionnait les filles, j'ai comme l'impression. Oh oui, là, nous, là il nous prend de près. Bon plan, ça va être mal. C'est un espion russe. Eh non, et là tu finis toi ici maintenant. Il y a beaucoup trop de scouts dans ce côté-là. Alors enlevez-moi le salade, s'il vous plaît. Tout ton esprit. Tout ton esprit. Bonjour. Tu peux parler toi? Quoi? Bah dis donc, t'as fait ton guitare. Ah ouais, c'est incapable. Tu vas faire un coup, mais regarde. Petit Papa Noël. Sommeil, Papa Noël. Tu vas depuis longtemps. Sur la télé, la neige, j'envoie les grands. Ah, maman. J'ai vu des hommes qui courent, une terre qui recule. C'est normal. C'est encore plus facile de ne pas dire de rien. Alors, regarde. Non, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas. Oh yes. Ah, ça m'énerve. Je suis énervée. J'ai pris un mot. Il y a autre chose qui m'a fait mal, c'est que je suis vraiment la constitution. Ça y est, je me rends en fait. Frère, comment tu vas? Je voulais vous dire. Eh, s'il y avait une couleur, de toute façon, elle serait traumatisée par vous. Ma mère m'a dit, Antoine va te couper les cheveux.
Elles sont là ou pas? Oui. Qui c'est qui les a pris? Bien sûr, hein. Tu veux que j'aille plus doucement, Guy? Oui, 748. Ça voudrait bien, oui. Ouais, mais là, donc là, ça bouge plus. J'ai déjà fait un carte. Ouais, des fois, ça va. C'est grand route, c'était pas aussi grand que ça, j'en ai vu la télé. Lausanne. Voilà, Mout, le pays de Fabrice Guy. La 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 la. On va pas se plaindre. Ah non. Allez, on t'appelle. Non, je refuse de répondre. La vallée du Jourdain, c'est super. Moi, j'ai eu une séance au mois de septembre, je crois, avec cette copine. Ouais. La voir. Et, ouais. Je suis heureux de vous accueillir au château de Joux. Enfin, j'espère que malgré la pluie, eh bien, cette visite sera intéressante. Bien, dans son état actuel, le château couvre une superficie de 2 hectares et il se compose de 5 enceintes de protection successives. Les constructions les plus anciennes datent des 11e et 13e siècles. Donc à l'origine, eh bien, ce sont les sires de Joux qui ont fait construire le château pour en faire leur résidence. Mais son existence a été attestée que dès l'an 1034. Et après... existait déjà au 15e siècle, mais elle a été entièrement remaniée par Bourbon. Enfin, il faut quand même savoir qu'à la fin du Moyen-Âge, le château s'arrêtait au niveau de la troisième enceinte.
Maintenant, si vous regardez légèrement sur votre droite, vous pouvez voir cette imposante tour d'artillerie qui est dite du fer à cheval. Alors, cette tour date de 1486. L'épaisseur... Dans cette direction, vous avez devant vous la route de Neuchâtel. Là à droite, c'est plus loin. Vous pouvez très facilement filer sur la route. Enfin, vous pouvez remarquer également que c'est du vent qui soit rouge. Enfin, vous pouvez aussi remarquer le risque de la portée de la chanson. Moi, ce que j'aime, c'est la tignée. Hein. Non. Vas-y. Prends-la. Tu me dis quand t'as fini. Hein. On va reprendre un petit passage. Hein. Allez. Ça réchauffe, je vous le dis. Ça réchauffe. Si vous avez froid, vous venez. Il n'y a pas de problème. Même si vous n'avez pas froid, vous pouvez venir. Moi, je descends pas avec elle dans ces conditions. Je ne dors pas avec elle dans ces conditions. Et vous êtes bien qu'il commence à pleuvoir. Mais où je suis. On fait quoi après? Ah, ouais, le petit massage. J'aurais bien fait des abdominaux. On lui fera dos plat. C'est un trou, hein? Regarde l'angoisse. Regarde la tête. Allez, viens, Gustave, viens, mignon. Viens, Yannou, l'aérobic, tu connais, toi. Comment c'était qu'elle faisait, Pascal? Et comment tu dis? Ah ouais, un truc qui est super. Il faut retourner les manches, parce que c'est le biceps. Ah bon? Ouais, tu serres comme ça. Ah, on va pas écrire ça comme ça. Gros plan, hein, sur les biceps. Hein. Où ils sont? Où? Je sais pas si c'est important ce qu'il y a dessus, mais... Ah, Yannou arrive, c'est bien. Bah, Yannou, il a suivi deux trimestres. Hein. Qu'est-ce qu'on fait après le trimestre? Crever la faim. C'est le roux d'être.